Salut tout le monde, nouvelle vidéo découverte aujourd'hui sur Nequia. Nequia, je sais pas comment ça se prononce exactement. C'est une démo disponible gratuitement donc sur Steam. D'ailleurs, je vais checker la page en question. Alors là, vous avez plus rien de son et avec l'image figée. C'est normal parce que je ne suis plus sur la fenêtre. Donc c'est sorti le 27 octobre 2016. Voilà, le jeu est sorti en fait, mais là il y a quand même une version démo disponible à 9,99€. Développé et édité par Bluegate. Dans un genre action, aventure et indépendant. Un peu arcade aussi, du scoring, c'est-à-dire que. Enfin, vous allez vite comprendre. C'est-à-dire que je pense que c'est un jeu qui se prête bien pour faire du scoring, puis faire du speedrun également, parce qu'il y a un peu un timer, et puis ça se présente un petit peu comme les jeux à la Meat Boy en quelque sorte. Le jeu est en anglais, bon, il y a une petite intro en anglais, mais je pense pas que ce soit très important, juste pour la petite histoire. Ma voix est toujours Destroy, ça n'a pas changé. Pour celles et ceux qui suivent toutes les vidéos à la suite, je dirais, depuis Lich Spear, je me suis pas amélioré niveau santé, mais c'est pas grave. J'ai d'ailleurs plusieurs petits jeux là à vous montrer, j'espère qu'ils tourneront assez bien et que je pourrai vous en parler, parce qu'ils ont l'air assez intéressants. Aujourd'hui donc c'est Nequia. Pardon. Donc j'ai déjà fait un petit peu le début pour voir à quoi ça ressemblait, pour voir si ça tournait. Et ça a l'air sympa, donc comme je vous disais, ouais, je faisais un peu un rapport à Meat Boy. Bah vous avez de comprendre en fait, juste pas envie de vous casser la tête. Donc voilà, j'ai fait le début, je peux pas... Ah si, ouais, je peux refaire depuis le début comme ça. Pardon, vous allez pouvoir un petit peu à quoi ça consiste. Donc en fait, bon, je joue aussi à la manette au gamepad. Donc ça c'est agréable, n'est-ce pas? C'est assez simple en fait, on contrôle un petit truc qu'on dirige en fait avec le stick analogique gauche. Pour la direction, le bouton A pour sauter, et on doit se déplacer dans un temps, je dirais, record, en évitant des obstacles au fur et à mesure. Voilà, premier niveau. Donc voilà. Ah, franchement, pardon, je m'excuse. Je vais essayer de pas trop tousser, c'est un petit peu pas très audible pour vous. Donc voilà, je disais que le stick gauche, on peut diriger là une sorte de vaisseau, un faisceau de lumière plutôt, et en appuyant sur A, tout en maintenant voilà, le stick gauche, la direction, on avance. Voilà, c'est tout simple. Avec un temps, j'ai mis 21 secondes. Bon voilà, c'est juste pour vous montrer. Là, on passe au second niveau où il y a le double saut en fait. Bon, je peux zoomer en arrière. Mais en gros, en l'air, je l'ai mal fait là. Je peux une fois en l'air, voilà, ressauter. Pour du coup passer des obstacles un peu plus haut. Voilà, par exemple, je suis foiré là. Ok. Ah, ça s'améliore pas, hein. En plus, là, il est presque minuit, donc je suis un peu à deux de temps. Mais je tenais à vous faire une vidéo, parce que le truc, c'est que j'ai plein de trucs sur mon PC, et j'aime pas avoir plein de fichiers, là, sur mon PC. Là, c'est plein de petits jeux, en fait, donc j'ai envie de vous les montrer en vidéo, puis après de les stocker dans ma bibliothèque, pour y revenir je ne sais pas quand. Donc attention, bonhomme plus feu égale mort. Donc, on va essayer d'éviter les obstacles, voilà. Ah pardon. Oula, c'était pas loin ça. Voilà, donc j'ai pas été plus loin que ça. Maintenant c'est total découverte. Donc voilà, comment se présente le jeu. Donc voilà, il y a une sorte de map, je dirais un niveau avec plusieurs, enfin un gros chapitre avec plusieurs petits niveaux qui se difficulisent. Je crois pas que ça se dit. Qui sont de plus en plus difficiles. Et auxquels on peut faire des records. Alors, il doit y avoir des classements en ligne, je pense. Je sais pas s'il y a des speedruns de ce jeu, peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, keep jumping to increase your speed. Ah oui, d'accord. Donc, plus on sautera, plus on ira vite, et donc plus on ira loin, je suppose. Alors, attends. Find the key to get to the keeper of the world. Ah ouais, comme ça, quoi. Ah, faudrait que je revienne là, après. Parlons. Là, décidément, je vais pas pouvoir m'empêcher de tousser. Oula. C'est au-delà de mes forces. Hop. Alors, c'est moins fun qu'à Meat Boy. Enfin, les premières sensations, pour tout vous dire. Faut que je trouve une clé, mais... Oh, vous savez quoi, fuck it.
je fasse gaffe là. Je sais pas, ou alors. Non, level complete, ok, bon, il y aura des bonus que je n'ai pas. Ah bah non, fallait que je le fasse, lol. Ou alors c'est moi qui n'ai pas appuyé sur la bonne touche pour continuer, bon, c'est pas grave. Find the key. Ah, je l'ai la clé en fait. Ah, d'accord en fait. Pardon. Je croyais que c'était ça qu'il fallait débloquer, mais non, en fait, il fallait juste prendre pour avoir la clé. Ok, moi je ferai pas Fort Boyard hein, pour le coup. Lol, c'était beaucoup l'humour. En ce dimanche soir de 23h30. Ouh. Ah merde, je pensais que ça aurait passé, mais non. Ok, bon, on va essayer de faire ce niveau-là, parce que sinon on va pas aller loin. Ah, et puis si j'enchaîne les sauts, je vais plus vite, mais genre, faut que je les enchaîne rapidement, quoi. Ouf. Alors ouais, comme je disais, c'est moins fun que Meat Boy, si je puis comparer, n'est-ce pas? Hop là, mais alors est-ce que du coup c'est le répondant avec la manette? Ah non, si, continue. Est-ce que c'est le répondant avec la manette ou c'est le jeu, le gameplay que je ne maîtrise pas? Je ne sais pas encore. Voilà, c'est vraiment mon ressenti là, au bout de quelques minutes de jeu, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc là il faut que je volontairement que je me laisse tomber. D'accord. Ah oui, merde. Mince. Ouais, je vais commencer à aller trop vite, à vouloir aller trop vite en besogne. Ok. C'est bien qu'il y ait... qu'il y ait du temps, mais il faudra un compteur de mort. Ce serait pas mal, ça. Ok. Donc ouais, il y a un peu le côté mid-boy, peut-être moins... bien moins dur, en fait. C'est pas peut-être un petit peu, c'est complètement moins dur. Dans la mesure où là, on peut rester accroché au mur et du coup planifier ses sauts, parce que dans Meat Boy, oh là là. Je m'en souviendrai toujours, moi, de mes runs sur Meat Boy. Mais j'ai abandonné, hein, c'était au-delà de mes forces. D'ailleurs, vu que là, on est un petit peu sur un jeu de scoring, pour revenir sur Lich Spear, merde, que je vous ai présenté, donc pour celles et ceux qui ont suivi, qui ont vu la vidéo. Autrement, je vous invite à la regarder, n'est-ce pas? Et... Oh bah non, je crois que j'étais passé. Et du coup j'ai continué à jouer et je me suis bien amélioré. Et c'est vraiment très très fun. C'est-à-dire que j'ai débloqué en effet des nouveaux pouvoirs. Et surtout les niveaux deviennent de plus en plus durs, de plus en plus ardus. Les ennemis sont soit plus nombreux, soit voilà, des nouveaux ennemis assez casse-couilles, faut le dire. Et oula, je le sens mal ça. Et alors du coup je suis un peu déçu de vous avoir montré. Bon, je vais parler puis je vais continuer à jouer après, sinon ça va pas le faire. Du coup, j'ai continué à jouer à Lich Spear et je suis un peu déçu de vous avoir montré que très très peu de choses, parce qu'en fait, après quelques autres niveaux, le jeu se débloque pas mal et devient de plus en plus dur. Et là, j'ai passé des fois une demi-heure sur un même niveau et à vraiment m'acharner, à m'améliorer. Et ça, c'est vraiment jouissif dans le jeu vidéo de manière générale, puis même en temps, voilà, sur un jeu où on s'acharne, on s'acharne, on s'acharne, on essaie de différentes choses et qu'on arrive à passer, c'est ultra jouissif. Et... Et du coup ça me fait penser par rapport à Meat Boy également, où vous essayez, vous essayez, vous essayez, puis quand ça passe c'est ultra, ouais, ça récompense énormément. Et même Secrets of Grindea, dont j'avais fait aussi la découverte, qui y a pas mal de boss en fait dans ce jeu, des mini-boss qu'on avait rencontrés dans la démo, enfin dans le début du jeu, mais d'autres boss qu'on rencontre dans le jeu, et ils sont vraiment super bien faits, c'est-à-dire qu'ils ont un super bon pattern. Certes, il y en a qui se ressemblent un petit peu, je peux le concevoir. Après, voilà, le jeu est en 2D, donc les mécaniques sont assez vite limitées. Mais pour autant, les boss sont vraiment très sympas. Il y en a vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dessus, et je me suis dit, oh, c'est bon, je vais arrêter là. Enfin, le jeu de ma... enfin, j'ai pas envie d'aller très loin dans le jeu, surtout qu'il n'est pas fini, donc c'est pas comme si je voulais le terminer. Et puis que bon, bah, l'histoire était pas non plus ouf, faut le dire. Je suis en train de bousiller mon score de record là, mais donc là du coup pour la Secret of Grindea, voilà, je vais juste continuer à jouer parce que c'était assez fun à jouer, mais voilà, sans grand intérêt. Mais les boss sont vraiment très très sympas, et des fois je me disais bon voilà, je vais arrêter, c'est pas grave, et pour autant je m'acharnais, et quand je battais le boss j'étais souvent content, puis du coup je m'améliorais vraiment en termes de technique. Et Meat Boy c'est pareil, et là Secret of Grindea c'était pareil. J'aurais vraiment voulu vous faire un petit let's play sur Secret of Grindea. Franchement, vous montrer les boss et les autres ennemis qu'on pouvait avoir, mais le jeu tournait vraiment très très mal.
par exemple mon PC il tournait très très bien, mais avec la capture d'écran ça le faisait vraiment pas. Du coup bah j'ai abandonné l'idée, à mon plus grand regret. Allez, on tente. Ok. ce fail en puissance. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, surtout qu'en plus Secret of Gridea c'est un action RPG, c'est pas un jeu de scoring ni rien, et pour autant voilà il y a des mécaniques de... Ouh! Oh non, ce traître! Bon, moi je sais ce qu'il y a en dessous. Mais pour vous dire, voilà, vraiment, il y a des mécaniques où. Ah, des fois c'est dur, mais le fait de recommencer, de continuer, de trouver des. Enfin, du moins d'essayer de trouver des techniques différentes. Oh! C'est beau ça. Faut pas que je me foire là. Yes, parfait. Et vraiment, le jeu est très intéressant alors, en termes de gameplay. Et, c'est super jouissif. Et Meat Boy, c'est pareil. Leech Spear, c'est pareil. Là, je pense qu'il y a un petit peu ce modèle-là, bien que là, je suis pas à fond dedans. Ça manque peut-être un peu de musique un peu psychédélique, voyez-vous, comme bah, dans Leech Spear, justement, ou même un peu dans Meat Boy. Je sais même d'ailleurs, sans Meat Boy, s'il y avait des grosses musiques qui vous mettaient à fond dedans. Oula. Ou comme dans Hotline Miami, hein, clairement, c'est un autre genre de jeu, voilà, c'est pas un jeu de scoring. Bon, là, ça fait n'importe quoi, là. C'est pas un jeu de scoring, voilà, en mode speedrun ou 2D plateforme ou autre, hein. C'est plutôt, voilà, un shooter beat'em all, si on veut, ou... Ouais, si c'est un peu un beat'em all, beat'em up, je sais pas trop. Enfin, c'est un genre bien particulier à lui aussi, je dirais Hotline Miami. Hein. Je le parlais aussi dans Leech Spear, hein, voilà, les jeux qui ont des genres bien à eux. Et Hotline Miami, voilà, c'est faut retenter plein de fois les niveaux pour... Oula, alors là, par contre... On peut pas sauter à droite, en fait, c'est-à-dire que je peux sauter que là... j'ai que 180 degrés, je dirais, de saut. Du coup, ça me... Oh, ça me limite pas mal. Ok, là je me suis complètement suicidé. Ok. Non! Merde, je pensais que j'allais m'accrocher en haut. Mais je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment là des jeux qui. Ouais, je pense à Hotline Miami. Qui vous font revenir dessus, qui vous font essayer de nouvelles techniques. Et bah. Hotline Miami, lui, du coup, a une super bonne bande-son. C'est clair que je pense que c'est un des gros points forts du jeu, c'est que vous vous éclatez à jouer dessus, quoi. Bon, je vais bien passer ce niveau-là. Ok. Et on va faire un double saut là pour s'accrocher, on va y aller progressivement. Putain, c'est chaud là. Bon, je le sens mal ça. Ouais, bah, essayez. J'ai même pas eu le temps de faire mon double jump. Du coup, ouais, ça ressemble à Meat Boy là dans les. Le déplacement, même s'il n'y a pas le côté, je dirais, runner, c'est-à-dire voilà, on n'est pas poursuivi voilà, par des ennemis ou autres, parfois où on n'a pas des scies voilà, qui veulent nous réduire en, bah, en bouillie, quoi. Donc là, on a un peu plus de, ouais, de temps pour planifier, je dirais, ces sauts. Mais du coup, c'est... Alors, merde, si j'arrive à aller plus loin dans le jeu... Pour voir, enfin, je veux dire, est-ce que vraiment le fait de pouvoir s'accrocher à des parois et d'être précis, etc., ça joue vraiment. C'est vrai que là, pour le coup, ça devient de plus en plus précis. Est-ce que ça va vraiment rentrer en compte à l'avenir? Et du coup, ça prenne un intérêt, que ce soit ce genre de gameplay-là, où, voilà, où on peut avoir la patience de prendre... qu'on a le temps de faire nos sauts. Là où Meat Boy, c'est plus de la réactivité, clairement. Du coup, la comparaison entre les deux jeux ne c'est pas forcément... elle n'est pas forcément bonne, parce que c'est pas... ça se ressemble, mais... Oh non. Ça se ressemble, mais c'est pas le même gameplay, hein. Clairement. Oh là là. Mais... Oh là là. Du coup, là, est-ce que le gameplay va servir le reste du jeu? Bon, faut que j'arrête de faire de la merde. Dit-il après 10 essais, et dit-il alors qu'il fait n'importe quoi. Oula. Mais je vous dis, ouais, je suis pas emballé par le jeu là, pour tout vous dire. Voilà, ils vont pas me re-sponsor, hein, parce que alors, bien sûr, cette vidéo est sponsorisée par Bluegate. Hein. Les mecs ont assez de thunes en tant qu'indépendant pour me sponsoriser, moi, qui fait en moyenne, oui, une dizaine de vues sur mes vidéos. Some Level Contain More. D'ailleurs, je remercie celles et ceux qui regardent. Hein. Attends, Some Level Contain More Than One Exit, d'accord. Bon, on va prendre celle qui est la plus basse, là. Ah non, hein, cette vidéo n'est pas sponsor, hein. Ça va être tendax, ça.
et je dis ce que je veux du coup sur le jeu. Ouf. Oh, je le sens pas trop bien ça. Oui. Ok. Voilà, pour tout vous dire, j'ai pas de, ouais, de bon ressenti sur le jeu. C'est pas qu'il est mauvais, mais je sais pas, je suis pas à fond dedans, je suis pas pris dedans. Et j'aurais beau pu être sponsor et dire de la merde, hein, comme certains disent, oui, je suis sponsor, mais on a le droit de dire ce qu'on veut dessus. Ça ne retire rien au sponsor, les gars. Lorsque vous faites un sponsoring, c'est déjà mort. Les mecs qui vous ont sponsor, eux, le but, c'est d'avoir de la visibilité. Que vous dites que le jeu est bien, pas bien, ça va être influencer les ventes. Mais faut pas déconner, la plupart ne ressortent pas de leur sponsoring en disant, c'est de la merde, n'achetez pas le jeu. Sinon, ils vont, et c'est évident que derrière, les éditeurs vont pas revenir vers eux, les éditeurs du jeu sponsorisé. Ou les éditeurs de manière générale, ils vont dire que ce youtubeur là, il est super super honnête, j'ai envie de dire. Jump non-stop to increase your speed. Ah ouais, chaque jeu. Ok, bon bah ça. Become light. Ouais, mais je peux pas faire 10 000 sauts, les gars. Et c'est pas voilà, c'est parce que vous êtes un sponsor que. Et que certes, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas. C'est juste à tester le jeu. Ça note rien, hein, ça note rien au sponsoring. Ah là là, mais je crois que je peux y arriver, ça. Hein. Oh là là. Ok, bon, on va arrêter là. Désolé, franchement, là, je suis pas à fond dedans. Puis clairement, ça m'intéresse pas d'aller plus loin. On va aller au menu principal. Pardon, pardon. Voilà, j'aurais fait quand même plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux. Pas rien quand même. Donc clairement, je suis pas rentré dedans et ça m'emballe pas plus que ça. C'est pas mauvais, hein, si vous aimez bien voilà, ce jeu, ce genre de jeu à défi, je dirais, à scoring, à faire du temps, etc., à se remettre dessus, ça peut être l'occasion. Mais pour le coup, je préfère Meat Boy parce que c'est on rentre plus dedans. C'est encore plus compliqué. D'ailleurs, j'en profite, bah, puisque j'ai commencé à lancer le sujet sur les sponsoring. Et que j'avais dit dans l'Itchspear que je ferais une vidéo un jour pour tacler tout ce qui m'énervait par rapport à ça sur YouTube. Je dévoile un petit peu ce que j'ai en tête par rapport à ça. Il y a plein de gens là qui font des sponsors, des youtubeurs que je suis, que je connais, que j'apprécie de manière générale, pour leur contenu qu'ils font de manière générale, hein, parce qu'une fois ils font des sponsoring, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, clairement. Mais ils le disent, hein. Alors ils le disent aussi parce que légalement ils doivent le dire, parce qu'il y a eu des. Je vais pas dire des polémiques, mais il y a eu la justice qui commençait à mettre son nez là-dedans, et il y en a qui ont eu peut-être un peu chaud aux fesses, parce que le fait qu'ils disent pas que ce soit des sponsoring, donc des publicités, bah ça faisait un peu publicité masquée, et du coup ils pouvaient avoir des amendes derrière, enfin bref. Donc les personnes qui disent « cette vidéo est sponsor », bah c'est très bien, c'est-à-dire comment ils sont honnêtes, ils le mettent pas, je dirais, en petit dans la description tout en bas, où la moitié, si ce n'est qu'un quart des personnes vont voir, si ce n'est encore moins. Et surtout parce que c'est, voilà, c'est... Ils se doivent de le faire, hein. Ils se doivent d'indiquer que c'est une vidéo sponsoring, donc certes, ils peuvent être honnêtes, mais peut-être parce qu'ils sont contraints de le faire s'ils veulent pas se payer une amende derrière, bref. Et c'est pas parce que voilà, vous êtes honnête et que certes, ce que vous dites n'est pas sous le joug d'un quelconque éditeur, voilà, de celui qui vous a sponsorisé, que ça retire l'effet du sponsoring, voilà, comme je disais avant, celui qui vous sponsor, c'est tout bénef pour lui. Alors pour vous, c'est aussi tout bénef parce que vous faites un petit peu de blé, vous pouvez avoir le jeu gratos, vous faites votre vidéo sur laquelle vous pouvez aussi gagner un peu d'argent si vous avez je dirais suffisamment de personnes qui, en général c'est le cas, hein, c'est la visibilité. C'est tout bénef, sauf que après allez pas dire que vous êtes intègre, allez pas dire que vous faites ça par passion, non, je peux comprendre, alors là c'est un autre ressort, qu'on a besoin d'argent pour financer soit ses projets, auquel cas c'est peut-être mieux, je sais pas, mais s'il y a le financement participatif et une autre manière de faire aussi, c'est une des manières de faire, mais après ça peut être aussi pour voilà, mettre de l'argent de côté et bah, je dirais voilà, se payer les charges, je dirais, de la vie quotidienne, n'est-ce pas. Pour autant, moi par exemple, enfin mon cas est pas bon, mais je dirais pour des cas de personnes qui travailleraient et qui regardent ces vidéos, bah, ils aimeraient bien qu'on les sponsorise pour un truc à la con, pour que ça arrondisse leur fin de mois ou qu'ils puissent s'acheter un petit truc. Je sais pas, voilà, faire rénover un truc qu'ils ont besoin, enfin bref, je sais pas, voilà, pour s'acheter du matos qu'ils ont vraiment besoin, parce que certains youtubeurs disent que, certains vidéastes disent, oui, je fais un sponsoring, mais c'est pour m'acheter du matos, etc., etc. Bah, moi, je suis pas trop d'accord, c'est-à-dire que si moi, voilà, j'aurais un taf, je dirais SMIC et compagnie, je dirais, voilà, je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, un truc classique, je dirais, quelque chose
que tout le monde peut percevoir. j'ai besoin de matos, je vais me le payer avec ce que je gagne en fait. Je vais pas faire un sponsoring ou je dirais une action supplémentaire, je dirais exceptionnelle pour ça. Et si je le fais, c'est parce que les personnes le font, c'est parce qu'ils ont le moyen de le faire, parce qu'ils ont de la notoriété. C'est surtout ça en fait. Tous les vidéastes qui font des sponsoring sous prétexte de se payer un nouveau matos ou de financer quelconque projet, ils peuvent le faire par leur notoriété. Donc ils vendent leur image, leur notoriété en fait, à des éditeurs, à des marques de pub quelconques, que ce soit des jeux vidéo ou pas. Hein, d'ailleurs, là je prends le terme des jeux vidéo, mais pas forcément. Ce qui fait que c'est peut-être pour une cause qui leur est louable, c'est même pas la question, je me fiche un petit peu d'ailleurs où l'argent va derrière et même quelle est la somme, hein, c'est pas mon problème. Bien que des fois des sommes peuvent atteindre des fois plus de 10 000 euros, donc c'est assez conséquent, c'est pas négligeable. Mais lorsque les personnes font ça, ce sont juste des panneaux publicitaires en fait. C'est juste que vous avez, voilà, je sais pas, genre 200-250 000 abonnés, vous avez une bonne visibilité sur un thème des jeux vidéo. Tel éditeur va vous sponsoriser ou va vous offrir un jeu en disant voilà, on vous offre un jeu, est-ce que vous pouvez faire une vidéo dessus, sans dire derrière. Des prérequis, genre dites que le jeu est bien ou dites qu'il est open world, enfin voilà, sans dire des trucs de publicitaire, parce que bon, ça arrive aussi, je pense. Pour autant, vous avez juste vendu les 250 000 potentielles personnes qui peuvent vous regarder, parce que c'est forcément toujours le cas, à un éditeur de jeux vidéo. Et cet éditeur-là, admettons sur les 250 000 abonnés, il y en a, je dirais, voilà, 150 000 qui regardent, je dirais, régulièrement ça, et ben le mec aura fait sa pub à 150 000 différentes personnes. T'as un petit peu moins, parce que c'est vrai que des fois, des personnes regardent deux fois ou ne regardent pas vraiment. On va dire les 100 000 personnes, et bah 100 000 personnes qui auront vu une pub, bah c'est pas négligeable pour l'éditeur. Donc en plus, je pense que les vidéos se font quand même pas mal entuber sur le prix du sponsoring, c'est-à-dire que entre ce que l'éditeur va ramasser derrière grâce à sa pub sur la vidéo en question, et ce qu'il aura donc été dans le contrat avec le vidéaste en question, voilà, c'est-à-dire que le vidéaste il se touche à 5 000 euros pour un sponsoring, et bah l'éditeur il va s'en faire le double, triple, enfin je ne sais pas combien, sur la vente de son produit présent dans la vidéo. Donc déjà le vidéaste va faire un peu entuber en termes de, je dirais, de partage un petit peu, et puis surtout là, voilà, il aura vendu, je dirais, sa notoriété, sa visibilité à un éditeur qui se frottera les mains, quoi. Et derrière, le youtubeur qui justement est sur cette plateforme qui est YouTube, parce que la plateforme qui est Internet de manière générale, en fait, hein, c'est Internet de manière générale. YouTube est certes pourri, je dirais, en termes de de réseau social. C'est pas un réseau social, mais voilà, faut pas déconner, c'est les vidéos qui sont le plus tendance, qui marchent le plus, alors que c'est pas forcément les vidéos les plus qualitatives. Mais ça fait marrer parce que du coup cette vidéo n'a plus aucun rapport avec ce que je présente comme le jeu. Je le préciserai quand même. Et voilà, YouTube, voilà, c'est plus vous avez de j'aime sur une vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde demande, plus la vidéo a de j'aime, plus la vidéo est courte aussi, plus elle fera de vues, donc du coup plus YouTube la référencera, alors que son contenu peut être complètement exécrable, et c'est ce qui arrive d'ailleurs. Je sais plus d'ailleurs où je voulais en venir. Oui, voilà. Et que Internet, voilà, c'est une plateforme justement pour la création, de faire ça des trucs. Justement, qui n'ont pas des formats limites, là par exemple avec la télé, parce que souvent on fait le rapport, et je prends Antoine Daniel qui fait que de parler de ça avec la télé, parce que la télé c'est sa bête noire un peu, enfin il n'y a pas que lui bien sûr, mais il en parle assez fréquemment, que justement sur Internet il n'a pas ce côté format bridé ou imposé, qui dit ce qu'il veut dans son contenu, et qu'il en ramasse un petit peu tout le mérite, avec le système de YouTube, bien qu'il soit déjà un petit peu pourri, dans le sens où c'est YouTube qui gagne plus que ces vidéastes qui leur font gagner de l'argent, hein, justement. Mais qu'Internet, voilà, est un outil justement pour à la création, et un peu, voilà, un peu libre en quelque sorte. Un média libre, lol. C'est beau dans les formes, mais dans le fond, c'est beau dans les formes, mais dans la réalité, c'est pas trop ça. Et on en est arrivé justement à avoir quoi ? Avoir des mecs qui, sur YouTube, donc font de la création, voilà, de jeux vidéo ou même pas, hein, à des formats qui leur sont propres, etc., etc. On arrive à faire des sponsoring avec des pubs, avec des formats bien définis, parce qu'il ne faut pas que la vidéo fasse non plus trop longtemps pour qu'elle soit vue. Donc finalement, les mecs font des trucs de 20 minutes, 20-25 minutes, avec des musiques d'intro, d'outro, enfin voilà. Bref, ça ressemble juste à des émissions de télé, quoi. Donc on veut fuir un peu la télé et tous ces méandres à juste titre sur Internet, pour finalement les reproduire quasiment les mêmes codes, ou je dirais à une nouvelle sauce, en prétextant toujours qu'on est intègre, que oui, on est libre, etc., etc. Peut-être que le sentiment de base il est là, hein, et c'est pour ça que d'ailleurs la plupart des youtubeurs, et là allez, je balance, hein, que ce soit Joueur du Grenier, L'Inquiété Racide, Fantabob Games,
ou même d'autres, je dirais peut-être un peu moins connus, un peu moins sur la durée, c'est-à-dire que ces personnes-là que je cite, et, voilà, c'est un petit moment qu'ils sont sur YouTube, etc. Toutes ces personnes-là ont commencé voilà, l'aventure YouTube, le YouTube game, n'est-ce pas, avec voilà, une, je dirais, une passion, du moins voilà, quelque chose qui leur était propre, c'est voilà, le jeu vidéo ou des émissions sur le jeu vidéo, voilà, c'était vraiment un truc qui les passionnait. Ils se sont pas dit qu'ils allaient faire carrière là-dessus, ou ça va être leur métier, ça va être le moyen d'arrondir leur fin de mois, voilà. Une activité extra, je dirais, sans forcément que ça en devienne leur métier. Et ces personnes-là, voilà, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Mais je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, mais d'avoir adapté le format, je dirais, rentable, que YouTube, c'est devenu voilà, leur entreprise, en quelque sorte. Et ben il y a des codes qui, à la base, ils ne respectaient pas, à juste titre, qui maintenant les respectent, à juste titre, oui, sans doute, mais il faut plus derrière qu'ils disent qu'ils soient intègres. Que je peux comprendre que voilà, ces mecs-là font des sponsors ou font des vidéos de manière à ce qu'ils gagnent de l'argent dessus et qu'ils en vivent. Et je veux pas dire qu'ils en vivent non plus comme des riches de manière extravagante, c'est pas ça. Mais je critique pas le fait qu'ils en vivent, tant mieux pour eux s'ils vivent de leur passion. Mais faut derrière, faut arrêter de se mentir et dire que ces personnes sont intègres et que ce ne sont pas des panneaux publicitaires ambulants. Sachant encore plus, et je vais terminer là-dessus, que ces mêmes personnes que j'ai citées étaient plutôt du genre, là, une vague, je dirais, nouvelle, après tous les podcasteurs en mode Cyprien, Mr. V, Mr. V, Norman, Hugo, etc. Tous ces voilà, podcasteurs qui, justement, ont fait le premier gros élan de YouTube où tout le monde s'est lancé, hein, voilà, je ne sais plus en quelle année vraiment c'était, enfin bref. Ces personnes-là qui, voilà, assez rapidement, sur YouTube, alors, ont été contactés et du coup ont des procédés assez crades de sponsoring, etc. Hein. On se rappelle Norman dans les pubs Crunch ou Orangina ou M6, enfin bref. C'est assez triste d'en reparler. Et justement, les personnes que j'ai citées, JDG et compagnie, se démarquaient de ces personnes-là. Pas forcément en les critiquant, si vous voulez, mais voilà, en se démarquant de cette ligne d'opération-là. Et on les retrouve, peut-être genre 5-6 années plus tard, à faire un peu la même chose. Alors certes, ils vont pas faire des pubs pour Orangina à la télé ou faire des films, etc. Mais ils vont faire des sponsoring sur des jeux vidéo, etc. Alors ça reste certes dans leur branche, bien sûr. Mais la méthode reste la même, en fait. C'est pas tant le contenu, bien sûr, que les vidéos de Fanta et Bob restent... je dirais ce qu'elles étaient avant, voilà, c'était pas mieux ou moins bien avant, peut-être que c'était mieux aujourd'hui, voilà, parce qu'ils ont une meilleure qualité, je dirais, clairement. Pareil pour le JDG ou pareil pour la Guitaracide, ils ont des meilleures qualités de vidéos, ils se sont améliorés sur leur contenu, le contenu n'a pas forcément changé, mais les méthodes, elles, et les procédés, eux, ont changé. Et ça, c'est regrettable, en fait, parce que le discours qu'ils pouvaient avoir avant ne l'ont plus aujourd'hui, et ils ne leur est plus attribuable. Là où avant, on pourrait dire que ces personnes, voilà, sont intègres, dans le sens où voilà, ils faisaient ça vraiment un peu do it yourself, hein, voilà, dans ce côté-là, bah, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Alors, je suis toujours le contenu, parce que moi je dis qu'il a pas, il a certes évolué, mais il n'a pas... Des fois je trouve, ça m'amuse, hein, pour vous dire, le Skyrim de Bob Lennon, je continue à le suivre, parce que j'adore Skyrim, et parce que voilà, il me fait marrer sur ce jeu, pour ce qu'il peut y faire. Par contre, le reste, voilà, je le vois d'un œil bien différent. Bref, je pourrais peut-être voilà, faire une vidéo spéciale, un de ces quatre, pour approfondir et peut-être mieux structurer mes propos, bien que là, je trouve que j'ai correctement parlé et assez énoncé et présenté ce que j'avais en tête. Donc, je m'excuse vraiment que cette vidéo n'a plus rien à voir avec ce qui était de base. J'indiquerai dans le titre en mode clash tacle youtubeur et tout. En mode titre super aguicheur pour me faire un max de likes et un max de vues, n'est-ce pas? On va battre la barre des 80 000 posts bleus, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont compris les références. Bref. Donc en tout cas, c'était Nekuya la démo, disponible sur Steam, je vous mets le lien dans la description. La démo est gratos, donc ça coûte rien d'aller jeter un oeil. Et autrement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces méthodes-là sur YouTube, moi, que je trouve juste inacceptable, quoi. Ou alors, faut arrêter de se mentir, quoi. Faut arrêter de dire que c'est un média libre, etc. Pour la création, c'est pas ça, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe, ça devrait se passer. Bref, je vous remercie, et désolé pour ma voix complètement cassée, je vous remercie, et à la prochaine, salut!